Alors, vous venez de voir ce qui pourrait presque passer pour être une place de village. Et vous voyez derrière moi, il y a une église qui a tout l'air d'une église de village. En fait, non. Nous sommes au cœur du 20e arrondissement de Paris. Rue Bagnolet, très passant, ça vous l'entendez, je pense. Et puis l'église, c'est Saint-Germain de Charonne. La légende veut que vers 430-435 de notre ère, à cet endroit, passait l'évêque d'Auxerre, un certain Germain, à ne pas confondre avec le Germain d'Autun, qui a vécu un siècle plus tard, Saint-Germain-des-Prés. On était quand même dans les prés à l'époque. Et en passant ici, ce Germain, l'Auxerrois, aurait rencontré une petite fille de Nanterre, s'appelait Geneviève, qui l'aurait bénie. Elle n'était pas encore Sainte Geneviève, et encore moins la Sainte Patronne de Paris, parce qu'elle n'avait que 6 ans. Mais cette rencontre et cette bénédiction sont restées dans la légende. Et c'est pour cela qu'au début du XIIIe siècle, on a commencé la construction de cette église qui, comme je disais, a vraiment l'air d'être une église de village. Ce qui reste du XIIIe siècle, c'est la base de la tour centrale. La construction a été reprise au XVe siècle dans un premier temps, et puis suite à un incendie au XVIIIe siècle. Et cette église est absolument charmante et vaut la peine d'être visitée. Il y a des métros, des bus qui sont pas loin, puisque nous sommes, comme je disais, à Paris. Mais il y a quelque chose de très spécial par rapport à cette église que nous allons voir maintenant. Alors là, on a préparé pour vous une petite surprise qui correspond à l'originalité de cette église. Dans un cimetière, on fait silence quand même. Alors l'originalité, c'est que c'est la seule église, Saint-Germain de Charonne, avec Saint-Pierre de Montmartre, seule église parisienne qui ait gardé son cimetière paroissial. La raison en est très simple. C'est que en 1860, lorsqu'on a décidé d'abolir des cimetières paroissiaux, c'était juste avant que Montmartre et puis Charonne aient été rattachés à la ville de Paris. Donc on a permis à ces deux églises de garder leurs cimetières. Nous avons gardé le silence dans ce cimetière, mais on vous a montré un tombeau qui est particulièrement intéressant, intriguant. Il y avait à la fin du XVIIIe siècle un certain François Le Bègue, dit Magloire. Vous avez vu sur l'inscription sur la stèle funéraire qu'il prétendait être secrétaire de Robespierre. Ça c'est faux, ça c'est démontré, il n'a jamais été secrétaire de Robespierre. Philosophe, poète, etc. Ça, c'est pas très sûr non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il a gagné de l'argent comme rebouteux. Bien. Cet argent, qu'est-ce qu'il en fait? Ah ben, il s'est construit lui-même, il s'est fait construire le tombeau que vous venez de voir, en silence, en 1833, avant de mourir en 1837, je pense. Vous aurez peut-être constaté avec moi que sur le tombeau, il y a
aucun élément religieux. Alors, est-ce qu'il était croyant? Est-ce qu'il était athée? On ne sait pas très bien. On sait cependant qu'il aimait bien boire un coup. Et il a été enterré, là, dans ce tombeau, avec un bon litron de rouge à côté. Et pour autant que je sache, ce litron y est toujours. Ses copains ont fait une fête et ont écrit les vers suivants pour lui. Et on va terminer Saint-Germain de Charonne sur cette note un peu plus gaie qu'un cimetière. Pour le fêter en bon vivant, il nous laissa chacun 5 francs. En vrai disciple de ma gloire, buvons ensemble à sa mémoire. C'est en l'honneur de son trépas qu'il a commandé ce repas.